Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau vidéo agrandisseur de chez Zoomax, le Zoomax Luna HD 24 Pro. Ce nouvel appareil nous permet d'avoir un nouvel outil dans la gamme. Ce que l'on aime beaucoup comme ça à premier abord, c'est qu'on a un appareil avec un design vraiment sympa et moderne. On a ici un écran 24 pouces sans bord, ce qui est vraiment très agréable et visuellement et au niveau design. Au niveau des fonctionnalités, on a un appareil qui va pouvoir s'utiliser de deux manières différentes, avec soit un mode simplifié, qui est vraiment très bien fait, c'est ultra simple et on commencera par ça, et on pourrait éventuellement basculer dans un mode avancé si on a affaire à des gens qui ont besoin de fonctionnalités spécifiques. Nous allons commencer par faire un petit tour d'horizon du produit pour se rendre compte de la manière dont il fonctionne. Pour commencer, on a un panneau ici à l'avant avec les boutons de commande. Nous avons complètement à droite un bouton rouge qui permettra, avec un appui, de démarrer l'appareil. Nous avons ensuite ici un premier bouton qui nous permettra de régler tout ce qui concerne les contrastes, donc les fonds colorés. Le bouton ici de zoom. Et un dernier bouton sur le côté qui nous permettra de régler la luminosité et d'avoir accès à d'autres fonctions si nécessaire. Un bouton en profondeur ici qui permettra de verrouiller l'autofocus. Et pour finir, un dernier bouton qui permettrait, si on est dans le bon mode, d'afficher le lignage et le fenêtrage. Nous avons ensuite un écran qui est positionné sur un bras articulé qui est très bien fait, qui permet de lever, baisser, incliner, pivoter l'écran vraiment comme on le souhaite, et de bien évidemment régler la hauteur, ce qui est l'une des choses les plus importantes quand on utilise un vidéo agrandisseur. Pour finir, le plateau, qui est un plateau mobile XY, va pouvoir, grâce à une petite languette ici, pouvoir être verrouillé partiellement pour ne plus avoir le mouvement vertical, mais garder le mouvement horizontal pour suivre une ligne sans aucune difficulté. Ou alors, complètement à droite, un mode qui me permet de verrouiller complètement le plateau, ce qui peut être pertinent lorsque l'on souhaite écrire et que le plateau ne se sauve pas sous la main pendant l'écriture. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce produit. Nous allons maintenant procéder au démarrage. Donc l'appareil vient de démarrer. Si je mets ma main en dessous, je la vois bien évidemment agrandie. On a une qualité d'image qui est vraiment très très bonne en Full HD. Le zoom qui commence à deux fois, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble assez large, avec une mise au point automatique qui se fait rapidement. Et on va avoir un zoom qui reste en mode optique, donc avec une très très bonne qualité d'image jusqu'à 28 fois, et on peut pousser jusqu'à 70 fois en numérique. Si je place en dessous un document, on va pouvoir se rendre compte de cette plage de grossissement. Donc on est encore en zoom optique jusque-là, donc une image incroyablement nette malgré ce taux de grossissement. Et quand on passe en numérique, on reste encore très net, mais on est en numérique. Voilà pour la couleur naturelle. Nous pouvons ensuite, donc grâce au bouton à droite, basculer en le tournant sur une série de fonds colorés basiques, donc blanc sur noir, noir et blanc, jaune sur noir, noir sur jaune, ou la couleur naturelle. Sachant que le dernier mode que l'on aurait utilisé, si j'appuie sur le bouton, je repasse en couleur naturelle. Si je rappuie sur ce bouton, je repasse en blanc sur noir. Ce qui me permet d'éviter de tourner la molette à chaque fois pour retrouver mon mode favori. J'ai juste un simple appui à faire, ce qui est vraiment très pratique. Donc le grossissement. Et pour finir, ce dernier bouton qui permet de régler la luminosité. Voilà, pour s'adapter vraiment à toutes les personnes et à tous les besoins. Voilà pour les fonctions lorsqu'on est en mode de base, qui est le mode qui, à mon avis, sera le plus fréquemment utilisé. Cependant, on peut basculer l'appareil dans un mode avancé en appuyant simplement sur ces deux boutons pendant quelques secondes.
Voilà, il nous indique qu'il passe en mode avancé. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère trois choses majoritairement. La première, c'est la possibilité du coup de défiler dans un nombre de fonds colorés qui est plus important. Ensuite, on a la possibilité de verrouiller la mise au point automatique de l'appareil ou de la réactiver. Ce mode qui peut être utilisé parfois quand on souhaite écrire afin d'éviter à ce que la caméra fasse la mise au point une fois sur la main, une fois sur le crayon, une fois sur le papier. Donc on va faire la mise au point sur le papier, verrouiller la mise au point et du coup quand on passera la main, ben, la mise au point ne changera jamais. Du coup, c'est vraiment confortable à l'écriture. Nous aurons la possibilité ensuite de faire apparaître des lignes ou des fenêtres de manière à canaliser le regard si nécessaire pour des personnes qui auraient un nystagmus ou une pathologie de ce type. Et nous aurons la possibilité, grâce à un raccourci, de faire varier la luminosité des LED qui se trouvent derrière la caméra et donc avoir un éclairage du document qui sera plus ou moins marqué. D'origine, on le laisse à 100%, ça laisse un bon résultat, mais quelqu'un qui serait réellement ébloui par la lumière de l'agrandisseur, on pourrait tout simplement la couper de manière à éviter cet éblouissement. Cependant, il faudra quand même avoir une quantité de lumière suffisante dans l'environnement pour que la caméra puisse capter correctement le texte que l'on souhaite lire. Donc voilà pour cet appareil, une image vraiment très très bonne, et ce, quel que soit le grossissement, quelque chose qui est vraiment très fluide au déplacement, ce qui est vraiment nécessaire pour une lecture fluide et relativement rythmée. Donc on a un outil là qui va vraiment nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, de lire, d'écrire, d'avoir une plage de grossissement importante. Donc le Zoomax est vraiment une très bonne alternative pour un vidéo agrandisseur en 24 pouces Full HD. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça a pu vous apporter les détails nécessaires. Nous restons comme d'habitude disponibles par téléphone ou via notre site internet pour vous apporter tout complément d'information. À très bientôt.